Ah, ce cher Bobby avait quelque chose à voir avec cet extenseur de pectoraux, finalement. Si Weekly avait été avec moi, j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos. En me basant sur mon expérience, quand les choses ont l'air d'aller vraiment bien, elles finissent toujours par sentir vraiment mauvais.
Les chats n'ont pas peur des hauteurs. Je n'ai donc jamais souffert du vertige. Ah ah! Tireur d'élite. Donc c'est peut-être lui. Très certainement. Mais l'une de ses forces, la précision de ses lancers. J'ai hérité du surnom bras d'acier au tout début de ma carrière. Je pouvais lancer le ballon à plus de 90 km. Pourtant, la précision était l'une de mes vertus. Le ballon allait toujours là où je voulais. Mon entraîneur, le grand Geoffrey Sachs, me menaçait toujours. J'ai donc travaillé dur. Je me suis engagé sur le champ. J'étais affecté à des forces, je suis devenu canonnier. Après avoir perdu un camarade au combat, et failli en perdre une blessure sérieuse, je suis devenu tireur d'élite. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais j'étais certainement l'un des meilleurs. Et tout cela, je le dois à ma précision. Non, en vérité, tout cela, je le dois à Geoffrey Sachs. Je me demande combien d'Américains ce grand homme a sauvé grâce à mon bras. Visiblement très ému par ces derniers mots, Tim Thorpe m'a ensuite réclamé de faire une pause. Il y a quelque chose d'impressionnant de constater qu'un athlète et un soldat, un homme dont la précision et le talent lui ont valu une Medal of Honor, ainsi que le surnom du chirurgien parmi ses compagnons d'armes, c'est pas possible. Pam, pam, pam. Ça pourrait n'être qu'une coïncidence, mais... Non. Eh oui. Eh oui. Pourquoi étais-je surpris? Dans toute enquête, il arrive toujours un moment où toutes les hypothèses tombent à l'eau. Il faut alors revenir en arrière pour retrouver la bonne direction. C'est un peu bizarre de voir un bureau sans fauteuil, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le propriétaire du bureau se déplace toujours avec le sien. Je ferais mieux d'éviter de l'utiliser. Il doit être relié au standard de l'accueil. Après, il peut pas marcher. Comment il peut... Ça m'étonnerait qu'il puisse se mettre là-haut alors qu'il pouvait pas marcher.
Ah, il peut pas marcher, sauf que avec les pilules. Bingo. Minute. Et si grâce aux substances du docteur Grün, Torp parvenait à remarcher? C'est Torp qui dirigeait toute cette opération.
Bien sûr. Ce n'était pas Mitchell ni Jill. C'est Thorpe qui a tiré sur Randall à l'hôpital. Tout colle. Pourtant, je peux déjà entendre Smirnoff me sortir que je n'ai pas de preuves suffisamment concluantes. Et si je lui tendais un piège? Mais comment? Et si je posais l'arme de Thorpe là-haut, une fois coincé, il serait obligé de se lever pour la prendre. Le spectacle était sur le point de commencer. Il ne me manquait plus qu'un public et un peu de patience. Ne sais-tu point à qui tu as affaire? À une andouille. Mutinerie! Est-ce que tu veux finir sur la planche? Oh, Black Sad, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. John! J'ai hélas été victime d'une mutinerie et... Arrête! Vous vous rendez compte de ce que je dois subir? Timonière! Cap sur ma cabine, droit devant. À vos ordres, capitaine. Tenez-nous, Black Sad. Julie, je vous en prie, ne laissez personne nous déranger. Ma chérie, tu veux bien attendre dans la salle de réunion? Mais... Ça ne prendra qu'une minute. Tu as déjà assez souffert. Ok. Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir, d'accord? Monsieur Black Sad, je ne vais pas vous payer pour avoir résolu cette affaire. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'en réalité je ne l'ai pas résolu. Non, ce n'est pas ça. Vous toucherez jusqu'aux dernières scènes de ce que nous avions convenu. Et bien plus. Mais pas parce que vous avez résolu cette affaire. Vous les toucherez pour elle. Il y a à peine 2 jours de cela, elle voulait tout arrêter. Laisser tomber ses études. Revendre le gymnase. Bien trop de blessures. Mais vous, par votre exceptionnel travail, vous avez réussi à la soigner. Bon, peut-être pas totalement. Il faut du temps pour surmonter ce genre de choses.
Mais au moins, grâce à vous, Sonia a de nouveau envie d'être heureuse. Elle a retrouvé l'espoir. Je vais l'aider à faire du Dunn's Gym la meilleure salle de boxe de toute la ville. Qui l'eût cru? Au final, on dirait que la mort de Dunn était la meilleure chose qui puisse arriver à ce gymnase, non? Ne soyez pas si cynique. Bon Dieu, ne pouvez-vous donc pas cesser de jouer au détective endurci pendant 2 minutes? Bref, revenons-en à l'affaire. Tous ces gens que vous avez affrontés, Jill, le docteur allemand, et puis Mitchell, jamais je n'aurais été le soupçonner. Vous ont-ils dit quelque chose? Pourquoi ont-ils fait cela? Ont-ils mentionné des complices? Quelqu'un a bien été mentionné. Un certain chirurgien. Un chirurgien? Vous avez une idée de qui il peut s'agir? Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agissait en fait d'Angus Mitchell. En fait, c'est vous qui m'avez apporté la réponse lorsque vous m'avez expliqué qu'il était médecin. Ah oui, évidemment. Je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Mais, vous savez, en dehors de toute mon estime pour Joe et Sonia, cette histoire m'affecte tout particulièrement. Je ne vous suis pas. Que voulez-vous dire? Le monde du sport? Mais c'est toute ma vie. Tous ces sportifs impliqués dans cette affaire, je les fréquente, je les connais. Comment le savez-vous? Pardon? Oh, je vois, c'est Sonia qui vous en a parlé. Oui, voilà. Sonia m'a tout raconté. Ben tiens, j'ai rien dit là-dessus à Sonia. Et donc, avez-vous une idée du nombre d'entre eux à être actuellement sous contrat avec moi? Je ne sais pas trop. Je vais vous le dire, bien trop. Pour l'instant, les journaux ne parlent que des corps retrouvés après l'incendie d'un laboratoire clandestin. Personne n'a encore mentionné les noms des sportifs impliqués. Mais si le scandale éclate, l'avenir de mon agence pourrait s'en trouver fortement compromis. Sans parler de celui de Sonia et du gymnase. Puis-je vous demander de faire preuve de discrétion ? Je peux faire preuve de discrétion, mais ça va vous coûter un supplément. Oh, bien sûr, je comprends. De combien parlons-nous exactement? Le double de ce que nous avions convenu. Cela me paraît équitable. Bon, eh bien, ce sera tout. Julie va vous donner votre chèque. N'oubliez pas de le lui réclamer. Pour ce qui est de votre supplément, je vous l'enverrai sous peu, ne vous en faites pas. Merci encore, Blacksad. Je n'ose même pas songer à l'état dans lequel serait Sonia si vous n'étiez pas intervenu. Soit j'agissais maintenant, soit je laissais Thorpe s'en tirer comme ça. Pardonnez-moi de ne pas me lever. Non, il n'y a pas lieu de vous pardonner. Je sais que vous pourriez très bien vous lever si vous le souhaitiez. Je suis certain que vous avez de bonnes intentions, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille? Il doit forcément y avoir une explication. Je sais que vous êtes un excellent tireur, et je pense que vous avez tiré sur Rondelli à l'hôpital. Non mais vous m'avez vu, Blacksad? Comment aurais-je pu faire une chose pareille? D'après Spano, la tête pensante de l'opération était un certain chirurgien. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Mitchell, mais je connais la vérité à présent. Un journaliste m'a mis sur sa piste. Vous voyez qui? C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire. Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte? Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire. Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait, vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider. Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer. Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas? Je pense que vous en savez quelque chose désormais.
Mettez-vous un instant à ma place. Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre, mais vous n'êtes encore personne. L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison. Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme. Il passe ses journées dans son gymnase. Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber. Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille. Vous lui offrez son premier boulier. Vous l'encouragez à faire ses études. Vous la réconfortez. Lorsque sa mère et son père lui manquent. À côté de cela, votre carrière sportive décolle enfin. La vie est belle. Jusqu'au jour où, sans prévenir, un accident vous colle dans un fauteuil roulant. Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider. Un docteur allemand. Ces substances mettent du temps à faire effet, mais elles font des miracles. Vous arrivez finalement à remarcher, petit à petit, un peu au départ, puis plus longtemps. Mais ces substances ne sont pas données. Vous devez trouver un moyen de vous les payer, vous comprenez ? Vous avez donc décidé de lancer une agence de publicité spécialisée dans la promotion de produits par des sportifs. Et puis, il vous est venu à l'idée de leur revendre ces mêmes substances que vous preniez. Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine, et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires. Un système très efficace. Votre premier client, Craig Spano. Son heure de gloire était derrière lui, alors. Il a servi de cobaye pour votre nouvelle opération. Mais lorsque les substances se sont avérées avoir de sérieux effets secondaires, vous l'avez laissé tomber. Craignant qu'il ne parle, vous avez tenté de le tuer. C'est pour cela qu'il a commencé à se cacher. Après cela, votre petite affaire avait le vent en poupe. Vous avez commencé à croire que vous étiez au-dessus des lois, que vous étiez intouchable. Jusqu'à ce que Jordan découvre tout. Et deux jours avant sa mort, il est venu vous voir... Assez maintenant! Arrêtez! Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois, mais je ne suis sûrement pas en dessous. Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens, du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours? Je pourrais vous descendre, ici même, et il ne se produirait rien. Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir, je crains bien que non. Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés, j'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec la police. Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à...
Sonia Don, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un avocat avant de parler à la police. Et d'avoir recours à lui pour tout interrogatoire présent et futur. Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Yale avait-il pris des substances avant le combat? Stone l'avait-il laissé gagner? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent dans le même sens que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer? C'était très bien, très bon jeu.
Eh ben, c'était très bien comme jeu. C'était un 9,5, entre 9,5 et 10 sur 10. C'était vraiment, vraiment top.